Yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons le royaume des Odris, nouvellement la confédération d'Asiotras. Alors, on va se débarrasser des quelques trucs de Carthage qui traînent. Là. Et on va aller chercher les Romains. Comment ça j'ai des accords avec eux? Oh, un commercial, oui, oh. C'est bon, c'était il y a longtemps, il y a prescription là, non? Voilà. Ça, on se débarrasse de Rome et de Carthage en un même tour. Enfin, on se débarrasse, c'est un bien grand mot, mais... Donc on a moins de problèmes nom de Rome et de Carthage. Ouais. Oui, tu me diras. Hop. Peut-être faire les réparations adéquates, ouais. Là, technologiquement parlant, ils sont un peu à la traîne, hein, par contre. Hein. Ouf. Ils sont même beaucoup à la traîne. Hop, allez, direction 10 midi. Je vois les gars. Voilà, comme ça on a la Mauritania. Ça j'ai pas, ça on s'en fiche pour l'instant. Ça, ok. C'est vrai que j'ai des flottes de ci, de là. Qu'on va aller chercher. Utiliser pour aller chercher des flottes romaines par exemple. Ils sont toujours en train de traîner dans le coin. Là, il y avait un roi. Oh, bah, c'est peut-être le roi. Mais bon. On s'en fiche. On conquiert, on conquiert. Voilà. Oula, me dit. De l'amélioration à faire. Voilà. Il va y arriver petit à petit mon espion. Vraiment petit à petit hein, par contre. Hein, faut... Oula, doucement le matin, pas trop vite le soir. Hein. Embuscade qui fonctionne. Hein. Ah on a une... Ah, c'est parce qu'on a des troupes un peu faibles. Mais c'est bizarre quand même 9% de perte pour une embuscade. Ouais, mais effectivement on a des troupes... qui sont... qui commencent à dater un peu là. Ça détruit les Lusitaniens. Ah bah voilà. Bon l'Egypte lui il va vite comprendre qu'il a vite intérêt à aller défendre ses territoires plutôt qu'aller venir m'attaquer. Enfin, il est censé l'avoir compris mais bon. Genre. Ah genre ils ont réussi à prendre Carthage comme ça. Bon. De toute façon j'y envoie du monde. Ouais, je fasse attention au niveau de l'ordre public quand même. Hop, Rome. Allez, il se barre loin.
on a des choses à faire. On a aussi 31 provinces. Alors, pas toutes contrôlées, mais on a des territoires dans 31 provinces. C'est pas mal, hein? Il n'y avait pas les minéraux qui avaient débarqué autour de Pergamon. Ouais. Je vais voir si je peux vérifier ça. Ils ont dû se barrer. Hein. Ah, c'était eux. Ils sont barrés, ils ont bien fait. Ok. Rome qui a repris deux territoires. Ah ouais, d'accord. Oui, bah oui, Rome. Égypte versus Rome, je vais les appeler ça. Là, ils vont essayer de faire je sais pas quoi. Donc, ils essaient de faire alors je sais pas quoi. Voilà. Nous, on continue d'aller conquérir. On est en Phasania, si je me trompe pas. Ça, tac, on va faire de la bouffe. Hein. Là, pareil. Bon. Plus d'argent, dommage. Ici, si on est en marche forcée, on va retirer la marche forcée. Ok. C'est bien, on avance. On avance, on avance. Ah oui, c'est vrai que je voulais passer en empire, mais ça coûte 30 000. Ça coûte 30 000 et il faut aussi que tous les autres parties aient la loyauté positive. Ou du moins pas négative. Neutre, neutre au pire. Non, c'est établi. Colchide, Cappadoce. Ok. Pourquoi pas. Ce qu'ils veulent. Grand. Ah bah d'accord, on a juste à récupérer Carthage, sympa, merci. Je m'y attendais pas non plus. Ok, là il va falloir se méfier d'eux. Et Tarsus, vous me le filez comme ça aussi ou... Bon, je demande, on sait jamais. Hein. Alors, Carthage, 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 Carthage. Je gagne beaucoup moins d'or, c'est normal, c'est l'hiver. Et vu que la majorité de mes revenus sont des revenus du bétail. Carthage, ok, d'accord, ils ont encore des troupes. On va se méfier au cas où. Hop, la menace qui pesait sur Caralis. Plus donc on va pouvoir là il y avait des troupes romaines, ils étaient nombreux en plus, je sais pas où ils sont passés et eux là, ah ouais, et ils ont repris et puis ouais, ils ont beaucoup bougé hein. Ah lui il arrive bientôt là, prochain tour il est arrivé, oui les romains allez utilisent ton agent là. Oh qu'est ce que tu fais, ah un barouf d'honneur. Pourquoi pas, hein. Oh, beaucoup d'argent. Merci pour ton barouf d'honneur. Je m'attendais pas à recevoir autant de thunes. C'est quoi ça là-bas? Un navire romain qui aurait passé mon blocus? On va se méfier. Surtout voir s'ils sont beaucoup.
Hop, coucou, merci d'être passé. Non, ils sont peu. C'est pas un problème. Hop. Eux, je vais leur dire de récupérer tranquillement à Carthage. Ils peuvent avancer. Ils ont tout rasé les couillons. On va chercher à comprendre, ils ont tout rasé, mais ils ont rien pour... C'est quoi, c'est Chypre, ok. La portée, j'ai pas la portée. On va s'avancer. Carthage, ils sont toujours là. Oh, qui s'amuse. On leur laisse faire un peu ce qu'ils veulent aussi. Ok, le printemps, printemps, ça va sonner le retour des finances. Ça devrait, du moins. Il reste pas des masses de factions, hein. Ça veut dire que les dernières factions qui restent sont assez grosses quand même. Nabatée, Minéen, Cimérien, Colchide, Pergamon, Axum. Cappadoce? Oh, il tente. Ok. Et il tente avec plein de petites troupes, mine de rien. Ouais, ça peut être une menace, hein. Ouais, ce serait chiant là s'il passait. Détruite Carthage. Ah bah c'est bien. Ok. Avant d'aller en tailleur. On sait jamais. Je pense pas qu'ils vont m'embêter de si tôt. Je vais quand même leur demander d'aller en Teia. En attendant la deuxième fournée, j'ai envie de dire. Hop, la Sapi, ça a pas de choix, sinon ils ont des pertes. Voilà. Et sont les Psys, eux, comme ça. Classis en plus, rend méchant. Ah, je me disais aussi. Bon, pour être honnête, je l'ai senti venir. Je me suis dit, non, quand même. Bon, bah, j'aurais totalement dû les prendre en compte. C'est pas grave. C'est ma faute. J'avais qu'à faire plus attention. Ouais. La Mauritanie. Italie peut-être. C'est important que ça la Magna Grecia. Eh bien. Plus que l'Italia? Oh. C'est bizarre. Ah, parce que j'ai pas les bâtiments au max. Ok, c'est pour ça. Dans l'ordre public, par contre, s'abuser en fin de partie. J'ai pas beaucoup de bâtiments qui font d'ordre public, mais c'est... Bon, importe. Oh, oui, je vous ai oublié, désolé les gars. Merci d'avoir pris Garama. Lepsis. Là, on a bien fait de lever des troupes. Je vais dissoudre parce que ça reste du mercenaire, ça coûte cher. Faut pas déconner.
Surtout, je crois que je paye cher les mercenaires avec cette faction. Je veux pas dire des bêtises, mais. Je me demande s'il n'y a pas un truc du genre. 150% de dépenses en plus, ou un truc comme ça. Je vais faire un point de recrutement ici. Ok, d'accord, c'est chelou ça. Oh, encore plus de nourriture. Je crois que c'est à Lepsi ça. Et non, c'est qu'il y a du monde ici, c'est bien. Sympa d'être passé les gars. Aussi. Je me disais que c'était bizarre. Ils ont fui deux fois eux. Bah dis donc. Vous êtes des experts pour ça les gars. On va laisser en mer hein, franchement. Hop. Et eux, je vais leur demander d'aller d'aller par là-bas. Je vais garder une troupe au cas où. Mais pas plus. Allez, direction Gila. Eux, ils avancent. Eux, ils vont avancer également. Oh, mais ça m'en fait trop. Plutôt aller là-bas avec eux. Ah. Mais dissoudre. Ça me coûte cher. Et là, pareil, j'ai quelques unités. Hop, dissoudre. C'est pas tant de prix. Mais il n'y a pas de petites économies. J'ai rigolé parce que en italien, j'ai pas encore fini mes bâtiments pour pouvoir recruter des unités. Que je suis déjà loin, loin, loin. Et que j'ai déjà conquis bien, bien plus loin. Ah oui, non. Je vous ai oublié les gars, désolé. J'ai eu un petit loupé. Non, toujours pas. Si j'envoyais des troupes vers le nord. Oh, ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne idée là, les. Ah oh, oui, vous me saoulez. Dégagez. J'ai des agents qui sont censés limiter ce genre de trucs. Pergamon. Ah ouais. Bah, ils ont réussi à redébarquer alors qu'il y avait des troupes alliées à moi. Ok, non, mais c'est pas très grave. Alors, eux. Oui, non, mais eux. Eux, rien du tout, là. Là, Pergamon, ça va se refaire, alors que là, ça va pas se refaire. On est bien, on est bien, ok. Là. Pas de soucis à se faire. Ah, voilà. C'est bien, on avance. Hein. Ça avance même... vraiment très bien. Oui. Salut les gars.
Est-ce que vous allez fuir une troisième fois? Non. Quand même. Hop, merci, comme ça on a une belle province rien qu'à nous. Et nous encore une autre surtout. Hop, ouais. Ouais. Maintenant je vais garder. Ça conquiert. Hein. Oula. Longtemps que je suis parvenu là. Voilà, je pourrais changer en ferme bovine quand même. Un peu abusé. Bon là, il y a pas mal de déplacements. Eh ben, il aura bien, ils auront bien couru. Hein. Voilà, l'Egypte, j'ai l'impression de l'avoir un peu moins en mer. Ils se sont dit qu'il fallait défendre un petit peu leur possession. Enfin, quoique je les vois pas plus que ça. Hein. J'ai eu une ou deux d'armées, mais rien de bien méchant. Il y en a un qui retente leur chance à Pergamon. Bon, qui se refont écraser encore une fois. D'ailleurs, Pergamon qui avance, j'ai l'impression. Là. Donc je vais faire revenir une petite troupe ici, je pense. Troupe de Nicomédia. Voilà. Hop, on avance à Sirène. Voilà, direction ma commode. L'ordre public il est bon, ça on sait au Guilla. La direction. Ah, je voulais rester là pour faire de la reconstitution, je me suis foiré, je suis allé dans le désert. Ce sont des choses qui arrivent. Ils sont combien? Ça va. Petit blocus. Là on est bien. On va aller chercher quand même. Oh, abusé. Ils nous ont bien embêtés. Merde. Moi j'ai pas fait ce que je voulais, c'est pas grave. Il y a pas mal de troupes de Pergamon là. Peut-être falloir aller aider Éphèse. Voilà. Et on retourne là-bas. Oh putain, lui, ouais. Lui, il vient de Caralis, je crois, de base, mais. J'aurais fait un gauche-droite, gauche-droite. Ils en ont eu un peu eu marre. Je pense qu'ils ont campé en plein milieu de l'océan. Mais ils ont campé en mode bon, les gars. Bon chef, tu choisis ta destination. Une fois que tu as vraiment choisi, on y va. Mais avant, t'es chiant. Faction détruite. Rome, ah bah c'est bien. On a de moins en moins d'ennemis, regardez. On est de plus en plus en paix avec les gens. On les a surtout de plus en plus exterminés. Mais bon, c'est une... C'est une manière de faire la paix également. Pourquoi j'ai ça là? Ok, bon. Allez, ammonium.
et sirène. Hop, ceux de ma commode, vous venez là. Hop. Ouais, j'ai pas assez d'argent pour faire de la reconstruction. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai des mines là? Non, j'ai pas de mines. On avance bien, hein, on avance bien vers l'Egypte. Hein. Je suppose que là, il y a des territoires non égyptiens. Ah, quoique, putain, ils sont bien conquis. Peut-être là-bas encore, les Aksum, mais c'est tout. Hein. Eh ben dis l'Egypte. Eh ben mon cochon, c'est pas souvent que tu nous fais ça. Hein. Hop. Allez, continuons. Avec son paraît oignon. On va éviter d'aller en mer, oui. Ah, j'ai perdu deux navires, là. Pourquoi pas. Ok. Encore des troupes là-bas, bon. Pourquoi pas aussi. Cappadoce, qu'est-ce que tu fais là, là, comme ça? J'aime pas trop, là. Les revenus sont pas terribles hein, malgré l'hiver. Hein. Malgré l'automne, je veux dire. Malgré l'hiver. C'est qu'il y aurait des meilleurs revenus. Après, je suis en Imperium. Je suis en Imperium maximum. Je peux comprendre. Non, c'est pas pour moi, ça me va. On va voir. Ah, d'accord, ouais, ils font passer leurs troupes par l'océan, là. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est même pas bon du tout. Je vais les suivre. Et je vais essayer de les couler, parce que là, c'est pas du tout une bonne nouvelle, ça, en vrai. Ils pourraient faire des ravages à l'arrière. Et ça double tranchant leur stratégie. Hein. Purée, les pertes que j'ai. Et Pergamon aussi, encore ici. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils vont pas défendre leur territoire, Pergamon, là, sérieux? Je les ai pas vus arriver. Je sais pas d'où ils viennent, je sais pas où ils sont. Hein. Je les ai pas vus arriver, je les ai pas vus repartir. Faut bien étrange tout ça. Hop.
faire ça dans un premier temps. Là on est arrivé. Je vais les envoyer au BIA. Ok, j'en suis où sur les objectifs? Oh. Un nombre de colonies, je suis plutôt correct, hein. Ça là, ouais, je sais pas. Hein? Demandez-moi une colonie dans 40 provinces dans lesquelles votre culture est dominante. Hey! Hey! Pourquoi pas? J'ai combien de provinces là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bah ça avance pas trop mal. Je crois que ça va finir en victoire culturelle. Hein. Donc là il me reste juste à conquérir et à passer des tours. Pour augmenter... Pour que ma faction, enfin que ma culture soit la première dans là où j'ai conquis. Pourquoi pas? Les provinces conquises. Non, toujours pas, ça ne m'intéresse pas à éliminer. Hein. Je suis devenu m'embêter pour pas grand chose. Eh ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Voilà, à mon avis, il nous reste entre 1 et 3 épisodes, je dirais. Avant de clôturer la campagne. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob.